J'ai soufflé. Y'a quoi? T'es étouffé quoi là, y'a quoi? Non, et c'est où j'ai quitté là? Non. Attends, il t'a expliqué. Ouais, c'est quoi? Hier là. Oui. J'ai marché comme ça vers là-bas là. Mm-hmm. Maintenant, il y a une vieille mère qui est passée dans une dangereuse côtière, une voiture quoi. Mm-hmm. Voilà. Maintenant, elle me fait clin d'œil. Mm-hmm. Et puis, elle me montre l'argent. Mm-hmm. Moi, tu connais, moi, j'aime l'argent. Je te connais, cousin. Moi, c'est que tu aimes trop l'argent. Donc, automatiquement, ils sont montés dans la voiture. Mm-hmm. Maintenant, on commence à rouler. Mm-hmm. Puis, elle me fait les causeries, jusqu'à on est arrivé à l'aéroport. Mm-hmm. Il dit, hi, mais on fait quoi ici? Elle dit, non, t'inquiète, allons seulement. Mm-hmm. Quand on va arriver où on doit arriver, là, mm-hmm. l'argent, il te donner ça. Ouais. Ouais, et puis maintenant, voilà, jet privé. Et rapidement, mais c'est que toi, t'es têtu. Maintenant, voilà, jet privé. Mm-hmm. On est monté dans son jet privé. Mm-hmm. Maintenant, on est arrivé quelque part au Mali, dans un village au fin fond du Mali là-bas. Hein? Ouais. Mais une fois arrivé au village, elle me présente à la population de son village. Elle dit, c'est le gars qui est venu doter ma fille. Hmm? Elle dit, elle m'a pris en haut, quoi. En vitesse, haut. En même temps. Quand tu regardes la mousseau, là, une petite fille sec pelle, aucune forme. Son nez, là, est long comme ça, et puis large bouche. Ouais, et puis cheveux là, il manque beaucoup de cheveux, un peu même, je crois qu'elle est un peu chaude, ça dit ses cheveux là, c'est jusqu'à ici même. Ah mais il ouais. y a les mousseaux chauves, hein, ça aussi c'est ouais, vrai. Ouais, et puis elle est poilue comme ça, elle ouais. a barbe, c'est elle ça. Est poilue là, elle a barbe, elle a moustache, tout ça. Moi même j'ai douté même si c'était garçon, mais quand j'ai vu dans la science, j'ai vu que vraiment c'était mousseau. Donc là, de la manière de là à là. Ouais. Et puis maintenant, je vois que tous les gens dans le village, c'est les loubas. Donc ils disent que... Donc j'ai dit non, moi il peut pas. Donc quand j'ai dit je veux refuser là, en même temps tous les loubas ont levé leur t-shirt et puis voilà, ils sont là faire pectoraux. Tu sais les loubas là. Ouais, ils sont costauds. Voilà, on appelle ça la musculature, le mort musclé. Genre pour me dissuader, j'ai dit ok, y a pas de problème. Et puis voilà, maintenant le padre maintenant, il me demande si moi il est permis de conduire. Ouais. Il dit ouais, mais ça n'est pas moi, c'est resté en France. Mais il dit que lui il veut apprendre à conduire. Ouais, j'ai dit, il n'y a pas de problème, il est un grand conducteur. Ouais. Donc voilà, maintenant nous deux dans la voiture, ici la conduit. J'ai dit, bon, tu as vu comment on fait, non? Mm-hmm. Voilà. Donc maintenant, il faut descendre, tu as fait le tour, tu as pris ma place. Quand il est descendu, j'ai pas allé la voiture. J'ai pas. Premier avion, là. J'ai pris ça, c'est là, il vient d'arriver comme ça. Là, ça me dit, tu fais quoi, là? J'ai toujours. Maintenant, il y a un lion qui te fout, là. J'ai cru que c'est un lion qui t'a poussé là. Voilà, putain, mon frère. Non, c'est ça, Dieu. Non, mais prochainement, il ne faut plus courir derrière la gêne. Non. Il faut laisser la patience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la patience, ça paye. Non, ça paye. Faut m'écouter quand il dit la patience, ça paye. Vraiment, il faut chercher l'argent, la sœur de son frère. Voilà. Ça, c'est pas bon. Oh, c'est ça. Dieu.